En mai prochain, le roi Charles III va être couronné. Pour l'instant, on ne sait toujours pas si le prince Harry et Meghan Markle vont faire le déplacement. Un événement majeur pourrait bien contrarier leur planning. Dans quelques mois, le roi Charles III va être couronné. Et une question est sur toutes les lèvres, le prince Harry et son épouse Meghan Markle seront-ils présents? Pour l'instant, le couple se fait un petit peu plus discret depuis la parution des mémoires du duc de Sussex. Mais voilà que les parents du petit Archie et de Lilibet pourraient faire leur grand retour sur la scène médiatique en participant à un événement très apprécié par les stars, le Met Gala de New York, qui se déroule le 1er mai 2023. Si pour l'instant rien n'est confirmé, la présence du couple serait un vrai gage de célébrité. Mais cet événement est organisé seulement quelques jours avant le couronnement de Charles III. Ainsi, s'ils sont visibles à New York et absents de la cérémonie organisée à Londres, les critiques vont aller bon train. Surtout que selon une source, les Windsor s'attendent à ce que Harry et Meghan assistent au couronnement du roi Charles III. Les membres de la famille m'ont dit que Harry et Meghan viendraient certainement. Ils s'y attendent pleinement. Et ils devraient se rendre compte qu'il n'y a qu'un seul sujet dont de nombreux membres de la famille royale seront prêts à discuter. De la météo. Mais selon plusieurs sources proches du couple, les parents d'Archie et Lilibet seraient encore indécis sur leur venue au couronnement. Le prince Harry encore très indécis. Le prince Harry estime d'ailleurs que la sécurité de sa famille n'est pas assurée en Grande-Bretagne. En effet, en renonçant à ses droits en mars 2020, le duc de Sussex ne peut plus être protégé par les gardes de la famille royale. Harry a été très clair et sa position n'a pas varié, il ne viendra pas s'il pense que l'atmosphère sera aussi toxique que lors du jubilé de platine et des funérailles de la reine, a indiqué une source, avant d'ajouter, il a dit qu'il voulait se réconcilier avec sa famille et s'il est à eux de décider, mais jusqu'à présent, rien n'a changé.